Goedenavond. De afgelopen weken vertelden we de historie van Vlamingen aan het Oostfront. Vandaag hebben we aandacht voor de militaire collaboratie bij de Walen. We tonen een portret van Léon de Grelle. Hij vocht diep in de Sovjet-Unie aan het hoofd van het Waalse legioen. Zijn leven leest als een roman, maar dan niet de mooiste. Een van de slogans van de soldaten die met hem vochten aan het Oostfront was Chance de Grelle, chance éternelle. De Grelle had een ongelooflijk talent om te overleven. Aan het front en in de politiek. Hij maakte dan wel de zotste capriolen. Omdat het hem zo uitkwam, verklaarde hij ooit dat de Walen eigenlijk Germanen waren. Na de oorlog waren zijn politieke spelletjes uitgespeeld. Maar zijn baraka was hij niet kwijt. Hij leefde nog lang in het zonnige Spanje. Hij genoot er de hoge bescherming van Franco. Dit is de historie van de Führer uit Bouillon, Léon de Grelle. Vous imaginez, ses cendres seraient revenues en Belgique. On a échappé à une affaire d'État. À une affaire d'État, ses cendres circulant d'un endroit à l'autre, personne n'en voulant. La Belgique dit, on n'en veut pas. Et les Espagnols disent, on n'en veut pas, on ne connaît pas ce monsieur. Alors on aurait mis peut-être un ballon, hein, un ballon avec une corde. Et on aurait fait flotter les cendres de Grelle quelque part. Je vous assure, c'est quand on commence l'histoire de Grélienne et tout ça, on arrive à des choses folles. Jamais, enfin, j'ai pu penser que j'aurais un jour un grand destin. Il n'y a qu'une vieille femme de Bouillon. Et qui, à ce moment-là, avait dit cette parole qui m'avait quand même frappé. Mais le petit Léon ira loin. Op 9 mei 1945 zet Léon de Grelle voet op Spaanse bodem. Net geen 39 jaar oud is zijn politieke rol definitief uitgespeeld. Hij woont afwisselend in Malaga en hier in Madrid, in een residentiële buurt in de Calle Santa Engracia. De vluchteling zal een respectabele Spaanse staatsburger worden die zich Leon José Ramírez y Reina laat noemen. Tot op het einde van zijn leven laaft hij zich aan Hitlers Derde Rijk, toen hij als leider van het Waalse legioen kon delen in roem en macht. Si j'avais l'occasion demain de refaire ce que j'ai fait en plus grand, mais je sauterai pieds joints l'instant même sur l'occasion. Je regrette de ne pas avoir réussi, tout simplement. Mais si je pouvais le refaire demain, je le ferais beaucoup plus fort. Hoewel hij door een Belgische rechtbank ter dood wordt veroordeeld, zal hij nooit aan ons land worden uitgeleverd. Officieel is hij onvindbaar. Dit dankt hij aan de speciale bescherming van generaal Franco en zijn fascistisch regime. Die hypocrisie zal ook België goed uitkomen. En vooral de Grelle natuurlijk, die heel zijn leven met veel lef en doorzettingsvermogen het ene avontuur na het andere weet te overleven. Zou deze zoon uit de stad van Godfried van Bouillon misschien ook met de helm geboren zijn? Bij de Semois, in de Rue du Collège, wonen achtbare burgers. Léon wordt hier als vijfde kind van het kroostrijke gezin de Grelle geboren in 1906. Zijn vader is een bekende brouwer en behoort tot de zeer traditionele katholieke burgerij. J'ai connu tout près la Première Guerre mondiale. J'avais 8 ans. Après la guerre, je me souviens encore, sur la fenêtre, au bureau de mon père, il y avait une grande inscription. Rien des Allemands, rien aux Allemands. On était arrivé à les détester à un point incroyable. 24 jaar later loopt Léon aan de arm van zijn vader als adjudant van de Duitse Weermacht, gelauwerd met het IJzeren Oorlogskruis. Welke omwenteling had zich voltrokken bij deze Belgische patriot?
Tegen welke heidenen had deze ijdele jongeman zijn kruistocht ondernomen? And there I think you have to understand the nature of Belgium in the 1930s, where many people were very hostile to the system of parliamentary politics. They just thought it did not work. You have to remember the Great Depression and all the grievances that he heard around him. And you have to add to that one other element, which is that de Grel was, at that point in his life, a sincere Catholic. And to be a sincere Catholic in Belgium, and especially in somewhere like Leuven in the 1930s when he was a student, meant that you had a whole vision of a new Christian political system. And a Christian political system was not a fascist political system, but it was certainly not a democratic political system. It was the ideas of corporatism and of authoritarianism. And that is the heart of de Grel's initial beliefs. Na een eerste poging bij de Jezuïeten in Namen probeert de Grel het opnieuw in Leuven, waar hij rechten studeert. Al vlug viert hij de teugels als de journalist in hem wakker wordt door mee te werken aan het katholieke dagblad Le XXe siècle. Gelijktijdig engageert hij zich bij de Action Catholique, die het christelijk geloof weer actueel en aantrekkelijk wil maken voor de moderne maatschappij. Haar jonge militanten verwerpen vooral het gekonkel van de katholieke partij. De leider van de Action Catholique, Monseigneur Picard, wordt de Grel's tweede vader. C'est l'homme le plus merveilleux que j'ai connu dans ma vie, dont j'ai gardé le souvenir le plus éblouissant. Un saint si rare, un vrai, où tout est pur. Et cet homme-là m'a orienté. J'ai commencé avec lui ce grand travail. Mais dès le début, et je lui ai dit, il faut nous emparer de la presse, il nous faut nous emparer de la radio, il faut nous emparer du cinéma. Atteindre surtout les grandes masses ouvrières. J'avais pris ce système d'aller chercher le public où il était et où seulement il était, dans les maisons du peuple. Mais c'était un public formidable, c'était des milliers de types, juste ceux que je voulais rejoindre. Ils étaient là et je les atteignais pour rien. De Grel vindt nu zijn ware roeping. De schrijver wordt volksmenner. Je n'ai pas eu que des milliers de garçons. J'ai eu autant de jeunes filles. Et toutes les plus belles filles. C'est le roi Léopold qui disait ça. Leur ex-appile, c'était ça. Et là, une jeune fille à 20 ans, plus encore qu'un jeune garçon, c'est travailler, c'est dévorer par toutes sortes de désirs. Ça veut se donner, ça veut se donner physiquement, ça veut se donner aussi moralement. Et le mouvement Alexis, c'est un mouvement extraordinairement propre, où on ne jouait pas avec les jeunes filles, mais où on leur donnait une transfiguration de leur existence. Het bekendste weekblad dat de Action Catholique uitgeeft is Rex. De titel verwijst naar Christus Rex, Christus Koning. Niet alleen schrijft hij bijna alle artikels zelf, maar in 1933 slaagt hij er ook in om alle aandelen van Rex over te nemen. Van dan af wordt het blad een propagandawapen dat oproept tot radicaal engagement. Je sentais bien que si on voulait arriver à changer l'état d'esprit dans un pays ou l'état d'âme, comme j'ai toujours dit, il fallait deux choses. Se dégager de ces dictatures moyenâgeuses dues au clergé et deuxièmement, débarrasser le pays de ce parti catholique corrompu ou trouver une formule absolument nouvelle. Et c'est comme cela que nous nous sommes orientés vers la politique. Non pas du tout en nous séparant de l'Action catholique, mais en étant sincères. Met de verkiezingen in zicht raast de Grel als een stormram door het land, van zuid naar noord, van west naar oost. Alors, un grand meeting, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Il faut avoir ça dans la peau, là où on ne l'a pas. Et alors là, on sent que ça y est, qu'on est liés les uns aux autres. Zijn aanhang bestaat vooral uit de Franstalige bourgeoisie en de adel, maar ook uit misnoegde zelfstandige en Ardense boeren. Een vast programma heeft hij niet, maar hij wil eerst schoon schip maken met alle corrupte politici die de parlementaire democratie verzieken. Il m'a attrapé par le fond de la culotte, un de ces pourris, je le dressais devant tous les maîtres, je lui dis, en voilà un. Et puis je disais ce qu'il avait fait.
Le milice de Segers que j'ai envoyé voler les quatre fers en l'air par-dessus son purin, eh bien, il m'a poursuivi. J'ai gagné, il a été condamné, il a été foutu à la porte, il n'est jamais réapparu. Op 2 november 1935 pakken de Grelle en zijn militanten hun bezems en zakken af naar Kortrijk, waar de katholieke partij haar congres houdt. Hij gaat er nu zelf de stier bij de horens grijpen. Nadat zijn militanten de deuren hebben vergrendeld, springt hij als een putschist op het podium. Pendant une demi-heure, je les ai écrabouillés. Mais il faut avoir 25 ans pour dire des choses comme je leur ai dit là. Je vois encore le vieux Berrier qui était là en dessous, qui était ministre. Je lui dis, vous avec vos yeux de crapaud. Et le Philips, vous, l'excrément vivant. C'était le grand banquier Philips qui. C'était le plus grand pourrisseur de toute l'histoire. Als een openbare aanklager jaagt hij de gevestigde politieke klasse de daver op het lijf. Als een explosieve informatie krijgt de Grelle toegespeeld door oud-minister van Financiën Gustave Sapp. Le Beau Lion heeft de wind in de zeilen. 3 weken voor de verkiezingen brengt hij nog een nieuw dagblad uit, Le Pays Réel, dat niet enkel zijn propaganda zal verzorgen bij deze verkiezingen, maar ook nog vele jaren nadien. De parlementaire verkiezingen van 24 mei 1936 bezorgen alle traditionele partijen, maar vooral de zelfgenoegzame katholieke partij, een zwarte zondag. Rex is de grote overwinnaar en stuurt maar liefst 21 verkozenen naar het parlement. Pour moi, l'élection de 36 et celle qui devait suivre, ce n'était que des étapes passagères. Et la grande affaire pour moi, c'était la masse qui devait être de plus en plus unanime. Et je ne me voyais à la tête de l'État parce que c'était ça qui m'intéressait, le pouvoir. Je le dis bien franchement, je voulais être le patron. Et je me sentais la force de l'être, et je vous assure que si je l'avais été, ça aurait marché. In Duitsland is Hitler aan de macht gekomen. Ook de Grelle wil een sterke leiding en een nieuwe corporatistische maatschappij zonder parlementaire inmenging. Mais entre-temps, la puissance hitlérienne avait grandi. Et elle faisait peur à beaucoup de monde. Je me souviens d'un homme comme Mussolini, par exemple, qui, après ma grande victoire de 1936, m'avait invité. C'est lui qui me dit « Attention avec les Allemands, attention avec les Allemands !» Et Mussolini, je n'avais d'ailleurs pas cherché à le voir, c'est lui qui m'a invité. C'était d'ailleurs un phénomène, enfin vous, vous qui m'écoutez, si Mussolini vous avait invité, si vous avez envoyé quelqu'un pour dire « Vous ne voulez pas venir passer quelques jours chez moi ?» vous auriez été très flatté, ça vous aurait amusé de le voir. C'était un gaillard extraordinaire avec des yeux énormes qui tournait tout rond. Mussolini était pour moi un véritable camarade. Et il m'a dit, si vous avez besoin d'argent, je suis là pour vous aider comme copain. Et quand vous aurez gagné, vous me le rendrez. Mais c'était pour une campagne bien précise, différente des campagnes normales de Rex, contre le communisme, qui à ce moment-là était en train d'essayer de faire sauter l'Espagne et qui avait pris le pouvoir en France. Il y avait un péril communiste considérable, les Soviets étaient devenus une puissance terrible, tout l'Occident derrière nous était virtuellement occupé, d'où intérêt capital, vital pour la Belgique, d'une grande campagne contre les Soviets. Na Mussolini ontmoet hij ook Hitler in Berlijn. Hoewel hij zich reeds gedraagt als de toekomstige leider van België, hoedt hij zich wel voor publieke liefdesverklaringen aan het adres van Hitler. Face au pays pour lui dire, comptez sur nous, sur notre fidélité, sur notre foi, sur notre dévouement jusqu'à la mort.
Deze patriotische liefdesverklaring staat helemaal in het teken van de tussentijdse verkiezingen in Brussel. Hij moet het daarop nemen tegen eerste minister Paul van Zeeland. Waarde medeburger, ik doe niet alleen een beroep op uw gezond verstaan. Ik richt me vooral tot het gevoel van verknochtheid dat gij voor uw instellingen koestert. Het wordt een strijd van één tegen allen. Want alle democratische partijen hebben zich samen met de communisten achter de katholiek van Zeeland geschaard. De katholieke partij haalt twee dagen voor de stembusgang haar geheim wapen uit de mouw. Kardinaal Van Rooij verbiedt de gelovigen voor rechts te stemmen op straffen van doodzonde. Ook de blanco-stemmers worden op dezelfde manier verketterd. S'il y a bien une histoire antidémocratique, c'est là un vieux bonhomme qui n'a rien à voir dans la politique, qui est là enfermé là derrière ses poulaillers au milieu de tous ces types qui regardent de travers ou qui marchent de travers, et puis que d'un quoi paraît à la porte avec son bac au long, pam, 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 tant qu'il me peut dans la figure. Et c'est ça qui a fait la défaite. Door de zware verkiezingsnederlaag van 1937 staat hij verder dan ooit van de macht. Maar hij zet door. Met zijn stootroepen bouwt hij Rex nu uit tot een fascistische organisatie. Op de koop toe zal zijn sympathie voor Hitlers annexatie van het Sudetenland en Oostenrijk hem bij de verkiezingen van 1939 zo'n 17 kamerzetels doen verliezen. La haine des Allemands répercutait contre lui. Et c'est sous cette haine. Mais atroce parce qu'elle était injuste, parce qu'elle nous déchirait. C'est sous cette haine que nous avons connu la défaite de 1931. Op 10 mei 1940 worden alle kaarten dooreen geschud. Hitler valt België binnen. Na 18 dagen capituleert koning Leopold. De Belgische regering is op de vlucht naar Frankrijk. De verwarring is compleet. Koning Leopold is wel in het land gebleven. De gevangene van Laken wacht af en heeft nog politieke contacten. Onder andere met Hendrik de Man, de socialist die net zijn eigen partij ontbonden heeft. Et à peine la capitulation avait été signée, voilà deux mois qui lance une proclamation au peuple belge. Il conviait tous les gens à admettre le fait accompli et à se mettre à la collaboration la plus complète. Et pourquoi? Mais parce que pour tout le monde, à ce moment-là, c'était fini. So there is a strange political game, a surreal political game in Belgium in the summer of 1940, where many people think that they might possibly be the future prime minister. And de Grel is one of the participants in that game, and he is one of the first positively to seek German support for his ambitions, because he goes to Paris to see Otto Abetz, who was a German ambassador in Paris, and begins to try to get German support for his ambitions. He fails initially, but at that time he is beginning to try and play the German game. Otto Abetz est un garçon merveilleux, un poète. Il avait fait toute l'Italie en jouant de la mandoline. Il n'était d'ailleurs pas hitlérien. Et c'était un fanatique de la France. Et il m'envoie une voiture à Bruxelles pour que je vienne dîner un soir chez lui. J'arrive à Paris. Et qu'est-ce qu'on me présente là, demain? C'était la première fois que je le rencontrais. Et je le rencontrais chez un Allemand. Et très vite, on s'est rapprochés. Parce que lui et moi, nous tenions ensemble la majorité du public. In 1940, the Germans really do not know what they want to do with Belgium. So instead of creating a real administration within Belgium, they opt for what was regarded as a very temporary solution, which was to create a military administration staffed by Germans and to give no political power to Belgians themselves. But I must say that if they had created a collaborationist government in Belgium in 1940,
then I can imagine many people who would have been influential within it, such as de Man. I don't imagine a prominent role for de Grel. Discuter avec les autorités allemandes d'occupation, c'était perdre son temps. Ces gens-là étaient exactement à l'opposé de tout ce que nous pensions. C'était des gros bourgeois, c'était des capitalistes. Nous voulions, nous autres, une transformation sociale complète et ça n'avait rien à voir avec la mentalité de ces gens. Il a été invité dès son retour de France par Van Rooy, par le cardinal, qui s'est excusé de toutes les discussions qu'on a eues. Ah oui, de Grel a rappelé tout ce que Van Rooy avait fait contre Rex en disant tout ça est oublié. Nous allons maintenant refaire une patrie. Quelle est votre intention? Et de Grel a commis une erreur psychologique. Il a dit, ben, nous allons supprimer les partis. Et alors Van Rooy, oui, mais monsieur de Grel, que va-t-on faire de la jeunesse? ACJB, JOC, hein, tous ces grands mouvements catholiques entre les mains de Malines. Hein? Et de Grel a eu cette phrase. Il ne s'est pas reproché, mais il dit, oui, j'ai été trop vite. Ah, la jeunesse, c'est pour moi. Ça a été la phrase qu'il ne fallait pas dire. À l'instant même, dit de Grel, j'ai vu le visage de Van Rooy est devenu blanc en disant, ça y est, cet homme est impossible, il va me prendre mes séminaristes, il va prendre les collèges, les pensionnats, il va faire de la Belgique une Hitlerjugend, hein, ou une de Greljugend, une jeunesse rexiste, c'est arrivé d'ailleurs, et il n'y aura plus de jeunesse catholique. L'enthousiasme, parce qu'il y avait eu un certain enthousiasme en 1940, notamment dans les ranges de Deman, cet enthousiasme-là faiblissait. J'essayais d'attirer l'attention d'Hitler sur notre pays, et c'est comme ça que j'ai même fait un meeting que je terminais par « Hey Hitler », me disant « Ils vont se réveiller ». Nous étions de plus en plus certains et épouvantés d'une hégémonie flamande qui allait contre l'intérêt de tout le monde. Parce que pour les Belges de langue française, c'était l'aplatissement. Et nous sentions pour que tous nos amis de Flandre s'étaient se livrés. Ils se mettaient dans un danger de péril mortel. Parce que se lier à l'Allemagne comme Allemagne, c'était sans aucun intérêt. La seule chose intéressante, ça pouvait être entrer dans une grande construction européenne. Dépasser le petit stade belge. Et le jour où une Europe se ferait, ne pas être un pays vaincu, aplati et surtout divisé en deux. Et c'est pour cela que j'ai créé, à ce moment-là, que j'ai réveillé parmi les Belges le mythe des 17 provinces, de la Grande Bourgogne. Op de eerste verjaardag van de Duitse inval in ons land komen de leiders van het Vlaamse VNV en het Ferdinazo samen in de Grelshuis in Ukkel. Ze komen overeen dat het VNV de enige partij wordt in Vlaanderen, Rex de enige in Wallonië. Deze pseudo-federalistische oplossing brengt de Grel weer aan zet, want de Duitsers worden nu verplicht niet enkel met de Vlamingen rekening te houden. And if the war had ended as it should have done in 1941, the rulers of Flanders would have been the VNV. They were a politically important and politically successful movement with a real political plausibility. Now, of course, what happens is that Hitler attacks the Soviet Union, everything goes wrong, he even declares war on the United States, and the whole world of the Third Reich begins to collapse. And as the world of the Third Reich begins to collapse, so the VNV too collapses, but a rather absurd minor person called de Grel becomes important. Op 22 juni 1941 valt Hitler onverwacht de Sovjet-Unie aan. Voor de Grel verandert de oorlog hierdoor in een apocalyptische strijd tussen goed en kwaad. Hitler disposait d'un instrument puissant. C'était aussi l'occasion unique. Il se représentera même peut-être jamais d'en finir avec cette épouvantable menace. Parce qu'il ne s'agissait plus d'une invasion de l'Occident,
Il s'agissait de la libération de l'univers de cette énorme puissance soviétique qui nous menaçait tout. Een maand later richt hij het Waalse legioen op. Jonge vrijwilligers worden aangespoord om het bolsjevisme te bekampen en zodoende samen met de Duitsers een plaats te veroveren in het nieuwe Europa. De Grell beslist om zelf mee te gaan naar het Oostfront als gewone soldaat. De Rexisten zijn er immers van overtuigd dat ze over enkele weken als overwinnaar zullen paraderen in Moskou op het Rode Plein. Les deux, l'anti-bolchevisme et le patriotisme belge, se sont trouvés à égalité, si je puis dire, sous l'uniforme allemand. On dit non, pas ça, c'est pas possible, il n'y a que les Allemands qui peuvent supprimer cela et nous donner la possibilité d'avoir un pays mieux organisé, mais surtout pas non plus avec l'ancienne classe dirigeante. Na hun opleiding worden ze als Wallonisches Infanteriebataillon ingedeeld bij het Duitse leger en reizen ze af naar de Oekraïne. Daar hebben de herfstregens het landschap in een modderpoel herschapen. Niet de Russen, maar slijk en luizen zijn hun ergste vijand. En dan, tijdens die vroege winter van 1941, volgt hun echte vuurdoop in het Donetsgebied. Imaginez-vous cela, 7 millions de soldats en France. Nous autres, une petite unité, nous n'étions à ce moment-là qu'un bataillon de 1200 hommes. Et puis arrivée la contre-offensive des Russes, on était dans des positions épouvantables, dans des neiges horribles, avec des 30 degrés sous zéro, des 35 degrés sous zéro, quand les Russes déferlent. Je me souviens, un jour, nous avons duré de 3 heures du matin jusqu'à la nuit pour faire une tranchée de 3 km dans laquelle passer. Il y avait 4 mètres de hauteur. Il fallait approfondir 4 mètres de neige pour avancer. Et alors, notre grande chance dans notre malheur, c'était la bataille de Gromovaya-Balka. Nous avons passé 10 jours là-bas dans l'attente. La masse des Russes était à 200 mètres. Le froid était tellement horrible, on était arrivé à 42 degrés. Il était impossible de creuser la neige, en aucune façon. Nous devons couper des blocs de neige pour faire des parapets. Ce qu'on fait là de nos garçons, ça a dépassé ce qui est concevable en héroïsme. Tout le monde se battait d'ailleurs, les cuisiniers, les téléphonistes, c'était le corps à corps partout. Tout le monde restait en sa place. Et c'est seulement vers 11h30 qu'une première vague allemande, dirigée par le général Sahn, a foncé, et c'est comme ça que j'ai reçu la première croix de fer d'un étranger pendant la guerre. Le général Sahn a pris sa croix de fer et me l'a planté sur la poitrine entre mes deux chevaux. C'était notre première grande victoire. Nous étions cités au communiqué. Enfin, les Wallons avaient réapparu. Et nous disions d'ailleurs plus les Bourguignons parce que. On m'a dit souvent pourquoi vous aviez ce nom de Bourguignon. Mais parce que les Bourguignons, ça voulait dire la Grande Belgique. Tandis que les Wallons, c'était les petits types qu'on voulait séparer. Ça aussi, c'était une affirmation de nationalisme. In juli 1942 worden ze ingedeeld bij de jagersdivisie van generaal Roep en trekken ze onder een verzengende hitte zo'n 1200 kilometer te voet via de benedenloop van de Don naar de Caucasus. De Grell is intussen benoemd tot luitenant, maar beseft dat hij als officier bij de Weermacht geen politieke toekomst heeft. Door zijn lange afwezigheden aan het front dreigt hij zelfs helemaal van het politieke toneel te verdwijnen.
Binnen het Derde Rijk groeit vanaf 1943 de invloed van de Waffen-SS en van hun chef Heinrich Himmler. De Grell besluit daarom het roer helemaal om te gooien. Om bij de politieke leiders in Berlijn in de gunst te komen, houdt hij op 27 januari 1943 in het Sportpaleis te Brussel een ophefmakende toespraak door te beweren dat de Walen behoren tot het Germaanse ras. Mais je l'ai réveillé, ressuscité, pour qu'on en finisse avec ces Belges de deux classes. Les Belges flamands qui étaient des Germains privilégiés et les Belges wallons qui étaient des espèces d'ersatz. Or, l'histoire est là. Il n'y a jamais eu d'apport de sang français en Wallonie. Alors ils sont de quelle race? Mais ils sont de race germanique. Het signaal heeft bij Himmler het juiste effect gesorteerd. Niet alleen is hij bereid de Waalse recruten in hun opleidingskamp te gaan bezoeken, maar de Grell mag zelfs meereizen in Himmlers privétrein. Ce qui voulait dire qu'au lieu de parler avec Himmler pendant un quart d'heure ou une demi-heure, j'allais la voir en face de moi pendant une nuit entière. Et jusqu'à 3 heures du matin, point par point, j'ai fixé toutes les bases sur lesquelles pouvait se faire un passage à la Waffen-SS. Hoewel de Grell het laat voorkomen alsof hij zomaar zijn voorwaarden aan Himmler kon dicteren, is hij in feite akkoord gegaan om Wallonië helemaal in het Duitse Rijk te laten opgaan. Een kapitale toegeving waarvan hij de vruchten weldra hoopt te kunnen plukken. Nous savons que le sang le plus pur de l'Europe est offert. Et nous savons que la victoire revient toujours aux âmes. Parce que les âmes sont plus fortes que la matière. Et à travers l'Europe entière, une âme de feu illumine nos mains. La Waffen-SS, c'était l'élite de l'Europe, de 28 pays de l'Europe, tous des volontaires. Et c'était eux qui, après la guerre, allaient être l'armature de l'Europe. Et qui, se superposant avec la même mystique partout, assurait l'unité. Alors cela, c'était intéressant. Mais c'était intéressant à condition d'y vivre librement et d'y préparer pour notre pays une renaissance dans la liberté. In juni 1943 is de zaak beklonken en wordt het Waals Legioen een SS-stormbrigade. In het kamp van Wildflecken leggen de nieuwe SS-recruten hun eed van trouw af aan de Führer. De Grells ideaal van La Grande Belgique is definitief opgegeven. De Waalse brigade wordt na een harde opleiding meteen in de vuurlinie geworpen aan de oevers van de Dieppe. In januari 1944 raken de Walen, die deel uitmaken van het 8e legerkorps, volledig omsingeld rond Tcherkassy. Les Wallons ont tenu la dernière nuit l'arrière pour permettre à tout le monde d'avancer vers la rupture. Et puis à 6 heures du matin, tous nos gens sont repassés en flèche. Et pendant 17 km au corps à corps, nous avons crevé le passage. Ah, nous avons perdu des deux tiers de nos soldats. C'est l'unité de Tcherkassy qui a perdu le plus d'hommes. Mais c'est elle qui avait montré définitivement que notre peuple était un peuple invincible, capable de toutes les énergies. Ce n'était pas des petits bons hommes vaincus, mais c'était des grands messieurs. De moed van de Walen straalt volledig af op Léon de Grell, die door Hitler persoonlijk met het Ridderkruis gelauwerd wordt. Overtuigd dat hij steeds meer op Hitlers sympathie kan rekenen, hoopt hij dat alle deuren nu voor hem zullen opengaan. Omdat de geallieerden via de radio het gerucht verspreiden dat het Waalse legioen volledig werd vernietigd in Tcherkassy, organiseert hij, geholpen door de Duitse propagandamachine, een grandioze comeback. Zijn verbindingsofficier in Berlijn en trouwe luitenant Jean Vermeire krijgt de opdracht om een militaire parade te organiseren in Charleroi en Brussel. Ce fut pour moi, dans l'orbite politique de l'époque, la preuve qu'on pouvait tenir tête et qu'on obtiendrait n'importe quoi par la volonté d'avoir raison.
Hier in het hart van de Borinage looft de Grelle wat hij noemt de revolutionaire wilskracht van zijn soldaten-arbeiders, van wie 1/3 uit deze regio komen. Vervolgens decoreert hij 1 à 1 zijn legionairs, die samen met hem de omsingeling van Tcherkassy hebben overleefd, met het IJzeren Oorlogskruis. In Brussel laat hij zijn kinderen van op de panzerwagen delen in zijn glorie. De commandant de la Luftwaffe à Bruxelles a été avisé par Sepp Dietrich. Faites l'impossible que la défense aérienne soit renforcée. Tous les avions de chasse disponibles ont été mis en alerte pour ce défilé de Tcherkassy. De Grelle staat nu op het toppunt van zijn roem. Het verzet komt tegen hem in actie. In Bouillon wordt nog geen 3 maanden later zijn broer vermoord. De Grelle reageert furieus en laat weten dat er bloed zal vloeien. Within Bouillon, de Grelle's brother was obviously known as being his brother. He wasn't politically important. But by attacking him, various elements of the resistance were thought of themselves as attacking de Grelle. And de Grelle responds in kind by trying to kill people he thinks are resistance people. In some respects, this is small town rivalry degenerating into small-scale civil war. Eigenhandig voegt de Grelle aan de lijst van aangehouden gijzelaars nog eens 3 namen toe. Niet toevallig 3 politieke tegenstrevers. Zijn moeder smeekt hem het leven van de gijzelaars te sparen. Toch worden op 21 juli 1944 in de bossen van Bouillon de laatste 3 gijzelaars door de Duitse politie gefusilleerd. Himmlers vertegenwoordiger in België beschouwde dit als een blijk van genoegdoening aan de Grelle. De Rexisten organiseren zich om de terreur van het verzet met gelijke munt te betalen. In Courcelles wordt een aanslag gepleegd op de Rexistische burgemeester van Charleroi, Angoulubin. On le tue, on tue sa femme, on tue son gosse. Alors la moutarde leur a monté au nez. Ce qui est inouï, c'est que ça ne s'est pas passé plus tôt. Qu'il n'y ait pas eu des centaines de présages plus vite. Soyez bien tranquille. Si on faisait son communiste, on n'attendrait pas 700 morts avant de réagir. Alors, ils ont été là-bas. Et ils ont exercé des représailles à la même place. Nous n'étions pas des tueurs, nous appartions à des gens qui n'aiment pas la violence. On n'avait jamais fait ça, on n'avait envie d'aucune façon d'histoire pareille. Et nos gens d'abord ont beaucoup pleuré et enseveli leurs morts. Mais il a fallu quand même monter des protections. Uit wraak worden 27 mensen lukraak door een rexistische militie neergeschoten. Helemaal in de lijn van de onverbiddelijke contra-terreur die Himmler en Hitler hadden bevolen. Op 25 juli 1944 keert de Grelle terug naar het front in Estland. De Grelle, hier met SS-generaal Steiner, blijft in de zege geloven. Het legioen strijdt nu met de moed der wanhoop in de buurt van Dorpat tegen de massaal oprukkende Sovjet-troepen. Het fanatisme aan beide kanten maakt nog 10.000 doden. Voor zijn talrijke lijf-aan-lijf-gevechten ontvangt SS-Sturmbannführer de Grelle uit de handen van zijn Führer het Ridderkruis met Eikenloof en het Gouden Duitse Oorlogskruis. Op 2 september 1944 wordt Brussel door Engelse troepen bevrijd. Op 27 december wordt de Grelle overhaast en op juridisch aanvechtbare gronden door het krijgshof ter dood veroordeeld. À ce moment-là, au lieu de faire un procès normal, en un quart d'heure, on me condamne à mort. Texte grotesque pour m'être emparé de villes et citadelles de la Belgique. Quelle ville je me suis emparé, quelle citadelle je me suis emparé, de crimes de guerre, rien. De véritables motifs qui pouvaient être à la base d'une condamnation, rien. Un truc expédié en un quart d'heure, sans citation, sans défense, sans possibilité d'appel, puisque j'étais au front de l'Est.
Eind april 1945 zetten de geallieerden de finale aanval in. De Grel heeft zich op dat ogenblik, met wat er van het legioen overblijft, teruggetrokken in de buurt van Lübeck. Moi, je voulais lutter quand même jusqu'au bout. Pour ces sacrés Belges qui m'insultent aujourd'hui. Parce que si nous, soldats du Front Direct, nous nous étions effondrés, mais les Soviets seraient arrivés à Bruxelles, et les Bruxellois aujourd'hui, ce seraient des Polonais ou des Tchèques. À l'Oder, là j'étais persuadé que c'était fini. Et De Grel, lui, alors Jean, il disait, oh, il y aura quelque chose. Je dis, mais non, il n'y aura pas quelque chose. Il y aura nous. Ça, je tiens. Nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on trouvera. J'ai la chance, on trouvera. On ne va pas se laisser prendre comme des moutons. Oh, si il faut qu'on soit les derniers, on sera les derniers. Donc, une espèce de baroud d'honneur dont il ne savait pas comment. Or, il a choisi la bonne direction, en ce sens qu'il était persuadé que la Norvège resterait le dernier redan de la résistance allemande. De Russen hebben Berlijn nu helemaal in hun greep. Op 30 april valt de Duitse hoofdstad in hun handen en pleegt Hitler zelfmoord. Op 8 mei 1945 tekent generaal Keitel de onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland aan de geallieerden. Terwijl overal in Europa en de Sovjet-Unie uitbundig de overwinning op het nazisme gevierd wordt, is de Grel nabij de Noorse hoofdstad op het klaarstaande vliegtuig van minister Albert Speer gestoten. Samen met nog enkele officieren stijgt hij op richting Spanje. Via Nederland, Antwerpen en Parijs vliegt de Duitse Heinkel, onopgemerkt door de feestroes, richting Pyreneeën. Net voor de Spaanse grens is de brandstof opgebruikt en in duikvlucht scheren ze over de bergtoppen recht op het strand van San Sebastián af. Voilà que le diable sort de sa boîte, c'est-à-dire des restes de son avion, dans la baie de San Sebastián. Je suis blessé grièvement, mais je vis. Bien décidé à tout dire. Non seulement à dire la grande épopée que nous avons vécue, à expliquer l'Europe que nous avions conçue, mais à mettre le nez dans, je vais pas dire le mot, tous ces farceurs de politiciens belges, de 1940 et de Londres. De Spaanse dictator generaal Franco zal de Grel de rest van zijn leven een hand boven het hoofd houden. Alle pogingen om hem te ontvoeren mislukken, onder meer door toedoen van Spaak, die van geen de Grel op Belgische bodem wil weten. Terwijl de Grel dus door de mazen van het net glipt, moeten de rexisten in Charleroi terecht staan. Velen worden ter dood veroordeeld. Uiteindelijk worden er 27 geëxecuteerd voor hun aandeel in de moorden van Courcelles. All the disruptions of the war years had left the political elite with, in some respects, a real fear of the people. They didn't trust the people. And they didn't trust the people to regard de Grel as a fool. So I think there may well have been personal influences which played a role in making sure that de Grel was not extradited from Spain. And Spaak, along with many other politicians, certainly had things to hide about what he had done before and during the war. But at a broader level, there is this more general phenomenon that they simply did not want the disruption and chaos that a de Grel trial would cause. Ce sont des gens qui ont peur, qui savent que je les tiens et que tôt ou tard, je leur tordrai le cou comme à des poulets. What made it possible? This is one of the most bizarre political evolutions in Europe in the 1930s and 40s. It is a very strange thing. There is no equivalent in Europe of a movement that comes from this sort of strange Catholic authoritarian culture and ends up being the most sort of extreme supporter of Nazi Germany. And the answer to that
in many respects, lies within these few thousand people who were always at the heart of Rex, who had remained around de Grelle since 1936, and who found themselves being radicalized by events almost despite themselves. They didn't know in 1940 that they would support Nazi Germany. They did not know in 1941 that they would really go off and fight a war on the Eastern Front. And in 1943, they didn't realize that they were really choosing the camp of the SS. But in many respects, events push Rex in this strange evolution from one political world to another. De kruistocht van de leider van Rex eindigt in Malaga. Nationaal-socialist tot zijn laatste snik. Et les cendres de Grelle reposent dans un endroit absolument fabuleux où personne ne viendra jamais les enlever. Et ce fut l'exécution totale et parfaite d'une promesse. Et je crois que personne ne peut me le reprocher. Hein. Volgende week beginnen we aan een serie van vier Afrikaanse verhalen uit onze tropenjaren. Vier histories die te maken hebben met ons koloniale verleden. We beginnen met de geschiedenis van een schip, de Graaf Gutsen. Dat werd gebouwd in 1913 in Duitsland. Die hebben het nu quer door Afrika transportiert. Ze hebben het daar samengebouwd. Het voer, het was een wunderschönes schip. Ze konden am Ufer stehen en zeggen: unser schip. Toll. Von Papenburg nach Kigoma. Und dann musste es versenken. Es muss denen das Herz zerrissen haben. De Graaf Gutsen heet nu de Liemba en vaart nog altijd op het Tanganyika-meer. Het verhaal van de schuit is ook het verhaal van een bijna onbekend hoofdstuk uit de koloniale geschiedenis van Oost-Afrika. Volgende week vertellen we over de lange tocht van de Graaf Gutsen. Heel graag tot donderdag. Thank you.